célébrer les droits de la femme, célébrer nos mères. Nous les hommes, nous parlons beaucoup, nous crions beaucoup, mais la femme a cette attitude de douceur, cette attitude de patience, de se garder dans le silence et dans l'ombre, dans le calme. Vous voyez, maintenant, le plan de Dieu, c'est la femme, c'est pas la femme aussi que nous envoyons le sauveur. Vous voyez que vous avez ce grand rôle d'imiter la Vierge Marie, notre mère, qui a mis le sauveur dans ce monde pour nous accompagner dans toutes les situations de son fils Marie n'a pas baissé les bras. Vous aussi, toutes les situations que nous pouvons vivre, si vous vous unissez, si vous êtes forte, cette maison ne peut pas tomber. Une bonne femme, c'est la femme qui doit faire l'effort de parler avec de l'eau dans la bouche. Pour que l'eau ne puisse pas couler ou tomber. Pour dire quoi? La femme doit garder sa bouche fermée. Et en écoutant les lectures d'aujourd'hui, vous entendrez que ce sont des lectures qui nous interpellent. Les différents prophètes qui ont été envoyés pour libérer le peuple de Dieu. Et ces prophètes n'ont pas été acceptés par le peuple. Nous, on dit que le prophète lui-même, le prophète envoyé, n'est pas accepté même dans sa patrie, même dans sa propre famille. Ce sont des lectures d'aujourd'hui. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom de Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Si les prophètes avaient ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus fort lorsqu'il te dit, ben toi, tu seras purifié. Et même cet évangile d'aujourd'hui nous montre que par sa façon de parler, par sa prédication, Jésus a été poussé vraiment de l'extérieur où il a été rejeté par beaucoup. Et comme prophète, nous devons être ceux-là et celles-là qui disent, qui dénoncent ce qui est mal, ce qui est mauvais. Quand on regarde beaucoup de publications de femmes, c'est que beaucoup de femmes disent non à la violence faite contre la femme. Et là, on présente des femmes qui sont torturées, des femmes défigurées. Et je crois que la femme elle-même devrait se mettre debout pour dénoncer cela. Mais il y a beaucoup de ces femmes qui sont peut-être complices ou qui contribuent à ce malheur des autres femmes. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes devraient, comme prophètes, se réveiller et dire non, nous ne voulons plus que cette torture, que cette violence continue au milieu des femmes. Dans notre vie, très souvent, nous avons besoin de voir des grandes choses se réaliser. Et voilà, le prophète, on lui dit, va seulement te baigner, te jeter dans la piscine et tu seras guéri, tu seras guéri, tu seras purifié. Ta vie, la vie que Dieu t'a donnée, c'est celle-là. Je crois que le travail que Dieu t'a donné, c'est celui-là. Chacun, Dieu lui a donné sa façon ou sa vie. Alors nous devrions vraiment être accepter notre condition. Quel est le rôle que nous jouons dans la vie des autres? Très souvent, on dit toujours que « Kajiake, Maishayake ». Mais nous sommes appelés, je crois que nous comme femmes aujourd'hui, on pourrait aussi réfléchir, qu'est-ce que nous faisons aux autres? Nous sommes appelés aussi à chercher le bonheur pour les autres. Mais quand on regarde dans notre vie, on se dit très souvent, on ne fait pas ce qui est bon. On préfère que l'autre souffre, on préfère que l'autre tombe dans le mal. Et pourtant, nous comme chrétiens, nous sommes appelés à faire ce qui est bon. Pour toutes les femmes de cette communauté, Seigneur, aide-nous à être des femmes qui participent au développement et au bien-être des œuvres salésiennes. Prions le Seigneur. Où que nous soyons, nous sommes appelés à prier pour notre pays, pour chacun d'entre nous. Nous allons porter en prière toutes les personnes que nous accompagnent, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, nos parents, nos mères. Prions aussi pour les pères Guillaume, mon pas Agnès, le nouveau provincial qui va accompagner cette province jusqu'en 2027. Que le Seigneur
l'accompagne, que le Seigneur le soutienne.